chers amis youtubeurs, youtubeuses, chers internautes, chers Potterheads. Me voici avec le miroir de Rizen dans Harry Potter. Alors qu'est-ce que c'est le miroir de Rizen? Le miroir de Rizen permet par exemple au l'acteur principal Daniel Radcliffe qui joue à Harry Potter voir ses parents, ce qu'il désire le plus. Ce qu'il désire le plus, c'est de retrouver ses parents, et s'il pouvait réussir, c'est pas mal. Donc avec ce miroir de Rizen, vous pouvez tout voir. Par exemple, dès que vous voyez ce miroir, vous pouvez réaliser tous vos rêves. C'est-à-dire, tout ce que vous désirez du plus profond de votre cœur, vous pouvez le voir sur ce miroir. Voilà, c'est tout ce que l'on désire le plus au monde et qu'on n'a pas. Et donc, ce miroir de Rizen, on le voit dans Harry Potter à l'école des sorciers, la première partie. Et maintenant, ce que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo, parce que j'ai réalisé des effets spéciaux. Et ces effets spéciaux, on va voir comment j'ai fait. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, bonne vidéo à tous. Merci. Bonjour, chers amis. Chers Potterheads, nous sommes au repère des sorciers, le repère des sorciers 2, B2, qui traite de tout ce qui est goodies, produits dérivés d'Harry Potter. On va jeter un œil. Merci. Uniforme de Serpentard, uniforme de Gryffondor. Regardez les lettres suspendues au plafond, c'est magnifique, c'est très joli. Vous avez les chapeaux et les rayons énormes d'Harry Potter. J'ai vraiment, les amis, l'impression d'y être. J'y suis pourtant. Alors ce qui est marrant, ce qui est sympa à voir, c'est qu'il y a des cages à hibou qui sont suspendues au plafond et le chapeau magique qui désigne les maisons, suspendu au plafond. Vraiment, ils ont fait quelque chose de bien au niveau de la déco. C'est super. Voilà. Vous avez vu, il y a le balai. Le balai. J'aimerais bien l'acheter, mais ça doit être un peu cher. Non, c'est super. Bonjour, chers amis, chers Potterheads. Nous sommes au repère des sorciers. Le repère des sorciers bleus, B2. Qui traite de tout ce qui est goodies, produits dérivés d'Harry Potter. On va jeter un œil. Merci. Uniforme de Serpentard, uniforme de Gryffondor. Regardez les lettres suspendues au plafond, c'est magnifique. C'est très joli. Vous avez les chapeaux et les rayons énormes d'Harry Potter. J'ai vraiment, les amis, l'impression d'y être. J'y suis pourtant. Alors ce qui est marrant, ce qui est sympa à voir, c'est qu'il y a des cages à hibou qui sont suspendues au plafond et le chapeau magique qui désigne les maisons, suspendu au plafond.
Vraiment, ils ont fait quelque chose de bien au niveau de la déco. C'est super. Voilà. Vous avez vu, il y a le balai. Le balai. J'aimerais bien l'acheter, mais ça doit être un peu cher. Sinon, c'est super. Regardez, ça c'est chaque maison, la maison de Gryffondor, c'est courage, bravoure, c'est le lion. Ensuite vous avez Serre d'Aigle, un oiseau, Pouf Souffle, voilà. Et ils ont pas mis Slytherin, à moins que c'est parti. C'est extraordinaire. Cette boutique est super, super. Merci. Le serpent Slytherin est là, mais c'est dans la zone Serpentard. Voilà, merci. Et voilà. Regardez du jus de citrouille dans la boutique Repère des Sorciers. C'est trop marrant. Vous avez des petites figurines. Petites figurines. Franchement, si je pouvais acheter ce pot, je l'aurais acheté. Ça, c'est une potion de Bézoar. Bézoar, ouais. Vous voyez avec Cédric Roy, Bézoar. Voilà toute la boutique de Harry Potter. Et enfin, l'élixir de longue vie pour une vie éternelle. Bon, une vie éternelle, pourquoi pas, mais bon, au bout d'un moment, on s'ennuierait, quoi. Je pense, à mon avis. Voilà, c'est la fin de ma vidéo et je vous laisse. Profitez encore de cette magnifique entre de cette boutique Harry Potter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Repère des sorciers Day 2. Il y a vraiment de la diversité, un peu de tout, tous les produits que vous voulez. Voilà, bon, bah, j'étais heureux d'y aller, même si j'ai pas trouvé des masques pour grand public. Ben, j'ai trouvé franchement Repère des Sorciers, c'était super, une aventure à tenter et qui est pas forcément éphémère. Merci, au revoir et bonne journée à vous.